Bonjour la bonne. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Ah, vous n'imaginerez pas ce qui se passe dans ce monde ici. Ah, mes frères et sœurs, je viens de tomber sur cette information que j'ai envie de partager avec vous. On dit qu'ils ont attrapé le gars qui mange les chats. Ils ont attrapé le gars qui mange les gens. Regardez à l'écran. Regardez. Apparemment, la police vient de mettre la main sur ces gens-là, sur ce monsieur et ses potes qui ont l'habitude de kidnapper les enfants et de les manger après. N'est-ce pas ce qu'on appelle le cannibalisme? Genre, eux, ils kidnappent les gens et puis ils enlèvent la tête, ils enlèvent les intestins, ils enlèvent les sexes et puis ils les mangent. Sinon, ils revendent les parties de leur corps aux gens. Hein? Ils revendent ça à 500 gens, 500 000 naira. Et c'est au Nigeria, hein? C'est au Nigeria que ça se passerait. La police aurait mis la main sur ce groupe de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc, sur cette terre-là, il existe des gens qui mangent les gens. Sérieux? Est-ce que vous vous en rendez compte? Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment dépassé. C'est sa confession, il a expliqué. Est-ce que vous vous rendez compte que ces genres de choses peuvent arriver et puis ils peuvent se passer même dans certains restaurants. Genre, tu arrives dans un restaurant, tu te dis que tu veux manger de la bonne nourriture, mais tu es arrivé là, on te sert de la viande. Peut-être la viande qu'on te sert là. Toi, tu ne sais pas que c'est la viande de chien. Non, non, non. La viande humaine, la chair humaine. Hein? Eh Seigneur! C'est comme récemment, ils sont allés acheter de la viande. J'ai acheté la viande, manger une fois, c'est bien, hein, c'est doux. Sans demander au gars, c'est la viande de quoi? la prochaine fois que j'y retourne là-bas, je dis, ah, mon ami! La viande là, c'est doux, hein? C'est comment? Doux, qu'est-ce que c'est? C'est la viande de quoi au juste? Est-ce que tu peux me le dire? Le gars s'est mis à rire. Le gars s'est mis à rire. Genre, tu genre, un rire qui veut genre dire, ah, voici un gars, il vient acheter la viande ici. Il finit de bien manger. Et il vient demander maintenant, c'est la viande de quoi? Et si on lui dit c'est la viande de chien, maintenant qu'est-ce qu'il va dire? Et si on lui dit que c'est la viande de chien, il va même faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vomir ton intestin? Il dit, mais what? Prenez souvent la peine de demander hein, ce que vous mangez. Dieu merci, si ce n'était pas la viande de chien, ni la viande humaine, ou la chair humaine, c'était plutôt la viande de bœuf. Il dit, ah, donc c'est quoi ça, bœuf et tout. J'ai commencé à manger tranquillement. Mais imaginez, si ce n'était pas le cas, et que c'était la viande de wow, qu'est-ce serait-il passé? Mais là, on parle de la viande de chien.
Mais quand il s'agit de la chair humaine, on se pose la question, mais que se passe-t-il? Je vous dis, on nous dit que ces gens kidnappent des enfants. Ils enlèvent leurs intestins, ils coupent les têtes, ils enlèvent tout. Et ils préparent ça pour manger. Sinon, ils revendent des parties de leur corps. Comment ça se passe? Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut pousser une personne à débloquer ce niveau? Moi, je peux dire tout simplement que ce sont des démons. Savez-vous qu'il existe les démons sous la forme de la chair humaine? Genre, on appelle les démons sous forme humaine. Eux, ils sont là pour faire de mauvaises choses. Ce sont des gens qui n'ont pas d'âme. Ce sont les démons sous forme humaine. Genre, le père, c'est un démon. La mère peut être humaine, mais le père, c'est un démon. Vous voyez? Donc, ces gens-là sont ici. Ils sont là que pour détruire les autres personnes. Ils sont là que pour faire du mal aux autres gens. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc, les démons sous forme humaine peuvent être là et faire des trucs terribles, faire souffrir les autres personnes. Et quand vous la voyez, vraiment, ça vous donne des frissons. Parce que ce sont les démons sous forme humaine. Ils n'ont pas de cœur parce qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, ces gens-là peuvent faire des choses qui vont vraiment vous étonner. Et je dis vraiment que Dieu permette que toutes les mauvaises personnes de ce monde soient dévoilées, mises à nu, pour qu'il y ait moins de souffrance sur cette terre. Parce que la manière dont ces enfants ont été tués, la manière dont ces personnes ont été assassinées, c'est avec beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Vous n'imaginez pas combien de personnes pleurent devant Dieu là-bas. Voici ce que j'aimerais vraiment partager avec vous parce que moi-même, ça m'étonne. Je me dis, mais ah, comment c'est possible? Dans quel monde sommes-nous? Et le Nigeria. Et le Nigeria. Vraiment, avant d'aller dans un pays que vous ne connaissez pas, prenez soin de prendre des renseignements comme il se doit d'avance avant d'y aller. Hein. Sinon, hein, vous risquez de tomber sur des gens qui ne sont pas en réalité des gens, mais des démons qui mangent les gens. Faites attention à vous.